Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle série de vidéos. Alors nouvelle, je dis nouvelle, mais pour ceux qui suivent, et oui les vrais, hein, les vrais de vrais, pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, ils savent qu'on a déjà vu un premier jeu, hein, qui s'appelait The Witcher 1. On a vu un deuxième jeu qui s'appelait The Witcher 2. Et bien sûr, j'ai dit un jour qu'on ferait le troisième opus. Et oui, je l'ai dit. Eh bien, le temps est venu, mesdames et messieurs. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu, on va rappeler quand même que moi, je suis pas bullshit. Hein, c'est-à-dire que moi, quand je commence quelque chose, généralement, je le finis. Hein. Ce qui, pendant longtemps, finalement, m'a posé un gros problème avec ce jeu, hein, quelque part. Voilà, hein, c'est pour ça que je savais que c'était très balèze comme truc. Donc je me suis dit, si je le fais, faut vraiment que j'aille jusqu'au bout. Et là, je suis prêt à aller jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. A priori. Hein, donc, et vous savez, 95% des let's play, de tout ce qu'on a commencé, on l'a fini. Donc a priori, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a une saga qu'on n'a pas fini, je crois que c'est StarCraft. Voilà, pour des raisons qui sont un peu annexes, parce que finalement, ça existe déjà sur Internet, et en plus, il n'y avait pas énormément de vues dessus, mais vraiment très très peu. Et puis, j'ai pas abandonné. C'est juste que je continue de le faire au gré des années, mais beaucoup plus sur un temps très très large. Hein, voilà. Mais on finira StarCraft Mass Recall, hein, je vous le dis. À un moment donné, l'envie reviendra, comme elle revient de temps en temps, et je suis déjà revenu deux fois dessus, donc a priori, voilà, il n'y a pas de raison que je ne revienne pas encore une fois. Mais voilà, hein, tout ça pour dire que 95% des let's play, on les finit. Donc, c'était quand même balèze de commencer The Witcher 3, qui est un jeu exceptionnel, on aura l'occasion de le voir. On va pas perdre plus de temps, hein, et on va tout de suite lancer une nouvelle partie. Sachant que j'ai réussi à pondre, parce que vous savez que j'ai réinstallé mon ordi il y a peu, avec Windows 10. Donc j'ai dû retrouver l'emplacement où mettre les sauvegardes de The Witcher 2. Bien sûr qu'on va les utiliser, hein, voilà, bien sûr. Donc c'est parti. Nouveau départ, voilà. Alors, vous me connaissez, hein, vous me connaissez depuis le temps. Il est bien rare que je ne choisisse pas la difficulté maximale. Hein. Souvent, c'est toujours comme ça. D'ailleurs, quand j'avais fait un petit peu l'enquête d'opinion, hein, entre guillemets, avec la vidéo, j'avais dit que The Witcher 3, ça serait avec Marche de la Mort, donc la difficulté maximale. Ils disent qu'on est un fou furieux. Ils le disent eux-mêmes, hein, donc on veut bien les croire. Je pense quand même que c'est accessible, hein, c'est pas non plus la difficulté la plus dure que j'ai jamais vue de tous les jeux, mais c'est vrai qu'il y a un petit défi supplémentaire, hein, notamment en termes de soins, faut faire gaffe, etc. Alors, voilà. Donc on va go avec Marche de la Mort. On va pas mettre les didacticiels, non, je pense pas. Et on va importer la sauvegarde de The Witcher 2 qu'on a et que moi j'ai disposé au bon endroit. Alors pour ceux qui se posent la question, qui voudraient faire pareil après une réinstallation et qui auraient voilà, gardé les sauvegardes mais sans vraiment le dispositif installé de The Witcher 2, en fait c'est dans vos documents, hein, donc vos documents, et de toute façon, vous devriez avoir The Witcher 3. Et en fait, il faut juste mettre Witcher 2. Donc, pas The Witcher 2. Hein. Moi, j'ai essayé avec The Witcher 2, ça ne marche pas. Juste Witcher 2. À l'intérieur duquel, il y a Game Save, un truc comme ça. Et encore à l'intérieur duquel, vous avez là où vous devez mettre vos sauvegardes. Hein, voilà. Donc, importer la sauvegarde de The Witcher 2. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, déjà, ça va là. Ça va nous indiquer là où on avait fait nos dernières sauvegardes. Alors, donc j'imagine quand même que on va prendre la plus récente, hein. Donc ce serait quoi? Ce serait plutôt l'autosave, hein, 529, je pense. Donc avec le 16 février 2018. Donc ça doit nous rappeler des souvenirs, puisque ça doit correspondre au moment où on a fait les dernières parties de The Witcher 2, qui lui-même avait été repris avec un long moment d'absence. Hein. C'est pour ça que c'est 2018. Parce que le vrai let's play, c'était 2015, hein, je crois. La grosse part du let's play. Mais on avait quand même bien rushé au moins... Parce qu'on avait refait, je crois, l'acte 2, hein, en doublon, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Donc voilà. Mais donc, ouais, on va prendre celle-ci, hein, je pense, hein, clairement. C'est 10h18, c'est la plus... Ouais, c'est une autosave, hein, écoutez, je pense que c'est la bonne. Je pense, ouais. On verra bien.
Bien. Allez. C'est vrai que ça nous change de Neverwinter Nights 2, hein. Et c'est plus fluide que ce putain de jeu, c'est énorme quand même. On se demande quand même quand c'est possible. Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Je sais, je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Siri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vesemir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard. Donc vous l'aurez peut-être compris, évidemment, il s'agit de Yennefer de Wengerberg, qu'on cherche depuis très longtemps. Bien, voilà. Donc, Witcher 3, hein, Witcher 3, donc c'est quand même balèze. Alors, pour ceux qui se souviennent, on avait quand même déjà eu un petit... Le col est toujours aussi splendide. Et c'est ce que j'allais dire, c'est vrai que c'est toujours aussi splendide. On l'avait déjà vu, on le revoit, mais on est toujours autant fasciné par ça. C'est quand même un truc de malade. C'est que moi je reste aussi halluciné que ça lague moins que Neverwinter Nights 2 quand même, hein, ce qui est quand même assez hallucinant. Voilà, hein, donc c'est quand même dingue. Alors on rappelle pour ceux qui voudraient un peu, comment dirais-je, qui voudraient comprendre, hein, on ressort de The Witcher 2 où on a Leto en gros qui nous indique la position de Yennefer. En fait, il nous dit non, mais attends, elle est pas morte du tout. Elle se trouve, en fait, dans l'Empire. Voilà. Donc, truc de ouf. Donc, à partir de là, évidemment, on peut imaginer que, bah, visiblement, Geralt et Vesemir se mettent en route en direction de l'Empire. Donc, évidemment, c'est un peu con parce que, en même temps, il y a un affrontement, parce que c'est la guerre qui commence. Donc, d'où la présence de la fuite de Yennefer qui se trouve au milieu du champ de bataille. Alors, elle qui fuit... eux qui vont aussi vers les problèmes sans doute. Voilà, c'est un petit peu ça le début de l'histoire en fait, hein, si vous voulez. Voilà. Donc vraisemblablement, si tout s'est bien passé, normalement Leto est mort. Hein. On rappelle qu'à la fin de The Witcher 2, moi j'ai préféré quand même faire acte de tuerie, je crois bien quand même. Donc... Ou alors non, qu'est-ce qu'on avait fait déjà? Je sais plus. Non, voilà, en fait, il y avait eu tout un délire avec ça. Je m'étais dit, en fait, au début, je crois que je voulais faire que on le tue pour la démonstration. Et ensuite, vous voyez, je ne le tue pas pour The Witcher 3, parce que c'est un petit peu plus intéressant, effectivement. Vous avez une quête qui, effectivement, se rajoute. Et dans l'autre cas, bah, il est mort, donc du coup, vous avez rien. Sauf que j'avais dit quoi? J'avais dit, attendez, les mecs, c'est quand même la fin du jeu, il faut respecter une décision. Vous voyez, je crois que c'est comme ça qu'on l'avait fait. Et du coup, je crois bien qu'on l'avait quand même fait mourir, même corps et bien. Il me semble bien, hein, j'aimerais pas dire de conneries. De toute façon, on aura la surprise, hein, globalement. Donc voilà, hein, allez.
Allez, donc du coup, là, ça requiert une clé, ok. Alors, comment ça marche déjà? Je crois qu'on peut, voilà, on peut attirer les éléments ici. Lila et groseille à macro, évidemment. Voilà. Gérald, cesse de tripoter mes accessoires de toilette. D'accord. Donc, la clé est ici. Voilà, on va quand même parler à Yennefer. Sachant qu'on ne sait pas pourquoi on est ici, en fait. Hein, parce que normalement, on est avec Vesemir, hein, on se souvient. Donc, on va quand même parler à Yennefer. Donc, Yennefer, on aura l'occasion d'en reparler aussi, hein, parce que c'est quand même un sacré numéro. Je me disais que Ciri pourrait patienter un peu. Ce serait contre-productif et pas très raisonnable. Alors, soyons fous. Hein, bon, Ciri, elle est en train de s'entraîner. Moi, je pense que son entraînement est très utile, hein, pour la suite des événements. Donc, soyons fous. Au diable, la raison. Eh bien, tu ne perds pas le nord, on dirait. Va t'entraîner avec elle, et puis reviens-moi. D'ici là, j'aurai eu le temps de me préparer. De toutes les femmes que j'ai connues, tu es bien la seule qui se prépare avant de... Tu en as connu beaucoup? Quelle importance. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Voilà. Donc, faut rappeler quand même une chose, pour ceux qui n'étaient pas là, et heureusement finalement, parce que là, vous voyez 2-3 scènes de nu, vous vous dites, ouais, bon, c'est quand même assez avancé. Non, en fait, hein, rien du tout. En réalité, dans The Witcher 1, on va pas rappeler les bails hein, de The Witcher 1, où il y avait des cartes, il y avait des cartes à collectionner de toutes les filles que vous avez baisées, en fait. Hein, donc, c'était quand même assez épique. Donc, quand effectivement Yennefer lui demande, vaut mieux ne pas répondre, en fait. Hein, vraiment, voilà. Bref, de toute façon, je crois bien que ceci, tout ceci, eh bien, c'est un rêve. Allez, on arrête de perdre du temps et on va directement passer à la suite, hein, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. On déverrouille et c'est parti. Le vieux sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisée, bien sûr. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Réveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons, maintenant? Bon sang. Je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al-Ghoul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seul. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la-moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Alors, là, le postulat du jeu, je vous dis quand même. Hein, faut bien comprendre que le jeu a son propre délire sur Ciri. C'est-à-dire que... Globalement, la vision du jeu de Ciri, c'est en gros de vous dire qu'il ne faut pas trop la limiter. Voilà. Alors, moi, je vous dis, moi, je ne suis pas trop comme ça. Le problème, c'est que si on veut avoir, quelque chose d'assez intéressant, il faut aussi prendre en compte la personnalité de Ciri. Et dans ce cadre-là, le jeu plus la personnalité de Ciri vous conduit quand même à ne pas être trop dur avec elle. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être parce qu'elle a déjà assez souffert comme ça. Et c'est un petit peu le parti pris du jeu. Donc un petit peu de libérer les mailles du filet. Moi personnellement, je vous dis de façon extrêmement personnelle, je suis pas généralement comme ça. Je suis assez dur comme mec. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je serais plutôt tendance à dire on fait serrer la vis. Mais vu que il faut aussi tenir compte de la personnalité de la fillette finalement, je dirais que ne sois pas trop dur avec elle. Ne sois pas trop dur avec elle. Et pourquoi pas ? Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête. Ça a fait partie de son charme, non? C'est en partie ma faute, j'imagine.
Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas. Non. Comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Pas mal. Tu n'es pas au cirque, Pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. Pense au périlleux ? À ton avis. C'est les bases, hein, c'est les bases, bien sûr. Bien. Enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations ? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... ce livre, quelle barbe ! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. En fait, pour tout dire, vous voyez, c'est ça le problème, en fait. C'est que... c'est vrai que... moi, j'aurais envie de serrer la vis, comme Vézémir, mais le problème, c'est que cette gamine... c'est plus qu'une petite fillette. Et... j'ai l'impression que sa structure de personnalité, c'est un petit peu... je réagis assez mal à la pression et j'ai besoin de pouvoir prendre place plutôt que d'être mis sous verrou. Et là, il faut avoir un peu de nez pour le sentir peut-être un petit peu. Donc on va quand même faire ça cool, j'espère bien. J'espère bien. Si tu recommences, Vézémir s'est juré de te faire manger un bol de limace salée. Beurre. Tout à fait. Alors fais un effort. Bien, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs ? Voilà, on va passer par les murs, puisque ça va me décrasser un petit peu au niveau des contrôles. Hein. Donc, commencer le didacticiel. On va voir si j'arrive en tête. Évidemment. C'est une école de sorceleurs, oui ou non ? C'est en bas avant toi. Si tu tombes, peut-être. Alors déjà, je suis passé avant. Alors, comment ça se passe, là ? Je sais plus trop... ah oui, voilà, faut appuyer sur B pour faire le petit saut, d'accord. Ok. Qu'est-ce que je t'ai dit sur la respiration ? Respire par la bouche, au rythme de tes pas. Voilà. Arrête de faire l'imbécile. Attends, mais c'est par où, là, je vois plus, putain de vos mères. Ah ouais, c'est bon. Ok. Voilà, je suis en tête, hein, normalement. J'ai tracé le truc à mort, là, c'est un truc de malade. Tranquille. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille ? Toutes mes excuses, oncle Vézémir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, tu... L'algoule se caractérise par des rayures similaires à celles de la panthéra tigris de Zerikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre, en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vézémir. Allez, on va quand même essayer de la recadrer un petit peu. Ne fais pas la maline. Arrête de faire la maline. Un sorceleur doit être plus malin que son adversaire. Tu l'as dit toi-même. C'est possible.
Mais n'utilise pas mes conseils sur Vézémir, d'accord? Tu joues avec le feu. Bon, assez parlé. Geralt, avec moi. Lambert, avec Eskel. Ciri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler et prends une épée. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre? On va quand même revoir les fondamentaux, parce que c'est toujours utile. Allez. On devrait revoir un peu les bases. Ça ne fait jamais de mal. Et Ciri n'est qu'une novice. Allez, on y croit. C'est parti. Enfin un peu d'action, mesdames et messieurs. Ça faisait longtemps. Alors, est-ce que j'ai pas perdu la main? On va déjà voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dégainez votre épée. Allez. Enchaîne les attaques. 1, 2, 3... Frappe fort maintenant. Je te donne tout ce que tu as. Ne bloque pas ton coup. Essaye ça, frappe fort. Des pieds, c'est... Des pieds, concentre. Voilà, donc là, la base du jeu, hein, l'entièreté de la base du jeu, c'est ça. Vous voyez, c'est pouvoir faire des esquives comme ça, en mêlant attaque et esquive. Allez-y, suce à l'ennemi. La roulade, alors la roulade dans ce jeu est beaucoup moins utile que dans le 2. D'ailleurs, ça, en fait, l'esquive a remplacé quelque part la roulade. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est clair et net. Il y a quelques occasions où la roulade sera utile contre les monstres, mais c'est tout. Hein. Allez, amène-toi. Je me bats contre un mannequin. Fais semblant, un peu d'imagination. Riposte, frappe, contre-attaque. À présent, jeune fille, pour conclure, nous allons réviser quelques signes des sorceleurs. Commençons par Quen. Alors, donc voilà, là on a la roulette, si je puis dire, des signes. Donc on commence par Quen, ok. Ciri, on surnomme parfois Quen le bouclier du sorceleur. Maintenant, observe. Lance Igni. Alors, je veux voir des étincelles. Igni, alors. C'est parti, mon kiki. Ouais. Sans le signe de Quen, je brûlerai comme une torche. Hard, Gérard. À toi de jouer. Alors, hard. Tu as vu, Ciri? Hard peut à peu près tout déséquilibrer. Et briser l'élan. Alors, l'hard peut être utile à certaines occasions. Après, c'est assez particulier. Alors, pour faire un petit point sur le jeu, à une époque, Irden était vraiment très fort, puisqu'on pouvait cumuler un ralentissement vraiment, vraiment très impressionnant. Depuis... Passons à Axie. Bon sang, j'ai horreur de cette sensation. Depuis... Est-ce qu'il est en train de parler en même temps hein. Depuis, c'est un petit peu différent, ça a été nerfé. Et on a que 25%, je crois que le max c'est peut-être 40%, mais j'aimerais pas dire de conneries, je crois que c'est assez faible. Donc voilà, le signe le plus pratique c'est Ken. Passons à Irden. Montre-lui, Gérard. Alors, Irden. Voilà. Tu vois ceci, Ciri? Je serais incapable de le déplacer. Amène-toi. Jette une bombe. Ne t'en fais pas, Ciri. Quen atténuera l'impact. Alors, l'endroit indiqué, c'est où, là? Ah oui, c'est ici, d'accord. Et donc là, il faut envoyer une bombe sur le poteau, d'accord. Donc là, faut maintenir. Et est-ce que c'est sur le... Sur quoi? Peut-être ici, ou c'est... Attendez. Ouais, c'est ça. Ça suffit. Entraînement libre. Ok. Donc là, je vais faire une petite démonstration, quand même. On va quand même faire des bombailles. On va essayer de faire... comme ça, par exemple, exactement. Ah, cet enculé, il fait des attaques rapides. Attendez. Voilà, on peut comboter quand même de manière sympathique. Donc ensuite, on peut utiliser quoi? Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour vous montrer un petit peu? Hard, on a vu. Axie. Alors, Axie, le truc, c'est que... Est-ce que ça a marché sur lui? Ouais, quand même un petit peu.
recule, mais il nous encule aussi, attention. Inni. Alors, le problème d'Inni, c'est que moi, j'ai jamais trouvé ça exceptionnel. Ça peut être très efficace pour ceux qui ont beaucoup de PV, les monstres. Surtout si vous le faites en flux tendu avec le souffle de feu, là. Mais, mis à part ça, bon, c'est pas non plus... Voilà, donc lui, il fait un bouclier, de toute façon. Irden, bon, bah, ça ralentit, voilà. Accessoirement, ça peut... Voilà, on peut débattre. Voilà, et surtout, on va faire Ken. La plupart du temps. Voilà, 57%. Bon, ça tient bien, là, franchement. Ça tient plutôt bien. Le principe, c'est de faire des esquives comme ça, vous voyez. Et voilà. Bon, je pense qu'on en a fini, là. Hein, donc, on peut rengainer notre épée. Eh non. Tu m'as pas eu. Ça, par exemple, il a compris la leçon. Siri, redescends. Ah, la petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les effets de Kaer Morhen. Tu as retrouvé le casque ? Siri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Et voilà qui achève le tutoriel. Ce n'était qu'un rêve. Tout va bien ? Oui. J'ai fait un cauchemar. À quel sujet ? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'ai rêvé de Kaer Morhen. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kaer Morhen. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss ? Yennefer. Bizarre, non ? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas, et dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds ? Pas de doute, alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Oui, je n'en doute pas. Oui, je n'en doute pas. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Tu as vu ces traces ? Elle file comme le vent par monts et par veaux, presque sans s'arrêter. Elle est pressée d'arriver quelque part, ou fuit quelque chose. Dans les deux cas, ça sent les ennuis à plein nez. Je serais surpris qu'elle n'ait pas de problème. Elle trempe constamment dans des intrigues de cour et des conspirations de mages. Tu t'attendais à quoi ? Je ne sais pas. J'ai cru qu'une fois réunis, le calme s'installerait. Du moins pour un temps. Le calme avec Yennefer. Bon courage. Ensuite, on a entraîné Siri. Dans mon rêve, je retrouvais Siri et je m'entraînais avec elle. Ah, ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides.
mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar ? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Alors, faut rappeler un petit peu les bails, parce que c'est vrai que la chasse sauvage, c'est pas le truc le mieux raconté de la saga. C'est-à-dire qu'en fait, c'est surtout présent, je dirais, dans le 1, dans la finition, c'est-à-dire le boss final, hein, on peut le dire, on peut en parler, puisque c'est pas un spoil. Hein. Si vous regardez The Witcher 3, ça inclut les deux opus précédents. Hein. Donc on a quand même affronté le roi de la chasse sauvage, hein, qui voulait Jacques d'Aldersberg. On a refusé, on l'a combattu. Donc ça, c'était le premier événement vraiment... voilà. Avant, ils en ont parlé un petit peu, hein. Il y a certains PNJ qui en parlaient, mais ça restait quand même assez limité. Dans le 2, c'est un petit peu différent. Dans le 2, on essayait de retrouver un petit peu les... finalement, de recoller les morceaux par rapport à ce qu'on avait oublié. Voilà, tout simplement. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on avait oublié, parce qu'en fait, entre les bouquins et The Witcher 1, il y a un moment où, tout simplement, on n'a pas nos souvenirs, vous voyez, c'est-à-dire qu'on se rappelait de rien, hein, tout simplement. Donc ça, c'est entre les bouquins et The Witcher 1. Et dans The Witcher 2, on commence un petit peu à recoller les morceaux, hein, si vous voulez. Et donc, ceci expliquant cela, donc ça nous a rappelé l'étau, la chasse sauvage, etc. Hein, voilà. Donc en fait, il y avait Yennefer et Geralt qui ont été récupérés par la chasse sauvage. Puis ensuite, il y a eu Leto, avec qui on a fait un petit bout de chemin, puis on s'est séparés. Et finalement, il y a tout un pan qu'on a oublié et c'était très flou. Et Witcher 2 a servi à recoller ces morceaux. Il y a eu aussi un moment donné, dans un tombeau, il y avait un bouquin, je crois bien, dans l'acte 2, qui parlait un petit peu de la chasse sauvage et de ses manifestations. Mais mis à part ça, finalement, c'est un fil rouge qui existe depuis très longtemps, mais qui n'a pas eu vraiment de résolution pure, hein, tout simplement. Donc, voilà, c'est un petit peu l'idée. Et pour le coup, on va pas trop reparler de la fin de The Witcher 1. Je me réserve ce discours pour une autre partie, hein, un autre jour, parce que j'ai beaucoup à pouvoir en dire, et on le traitera même peut-être à la toute fin du jeu, hein, pour que je vous donne mon avis. Sur le traitement de tout ça, de ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait comme ça aussi, notamment à cause des sauvegardes du premier opus qu'ils n'ont pas pu bien utiliser. On en reparlera, hein, mais entre guillemets, quand même, voilà, il y a des choses à en dire, donc voilà. Hein. En tout cas, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur la chasse sauvage, et là, on l'a vu en rêve, hein, tout simplement. Allez, Ciri est peut-être en danger. Non, ce n'était pas un simple rêve. Depuis toujours, chaque fois que Ciri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne, pas même les spectres. Partons. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à macro. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite. Pont-Soleil près de Visy. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum ? J'ai encore la licorne. Une licorne empaillée utilisée de manière créative. C'est une licorne empaillée qui nous a servi lors de situations délicates. Ah, les jeunes de nos jours. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous ? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche, mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route.
Là, on pourrait la perdre. Attends, tu les entends ? Je les entends et je les sens. Des goules. Ok, donc c'est parti, le premier combat réel du jeu. Oh putain, ça commence mal. Alors, c'est parti, mon kiki. Voilà, faut que je reprenne le move un petit peu. Ok. Ok. Voilà, donc en fait, Ken, c'est vraiment votre assurance, mais faut pas compter dessus tout le temps. Hein. Faut bien jouer, sinon... Et voilà. Logique. Les armées laissent toujours des nécrophages dans le sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. Voilà. Alors avant de partir avec Vesemir, on va quand même ramasser tout ce qu'on doit ramasser. Parce que tout ça est très précieux au bout d'un moment. Même les herbes, hein, faut pas renier. Voilà, on va tout ramasser. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Ah, loup blanc, où est-ce que tu t'emballes comme ça ? Voilà. Donc on rappelle, hein, pour ceux qui sont pas habitués, en ce moment, j'ai tendance à faire des parties de 1h10 de vidéo. Hein, voilà, ce qui est pas mal, hein, quand même pour un jeu comme ça. On va pas faire plus pour des raisons diverses, mais voilà, je pense que c'est bien ciblé. Il y en a encore un ici. Donc là, j'utilise le sens du sorceleur, tout simplement, pour faire le taf. Oui, alors, quelques petites précisions pour Yennefer. C'est un petit peu délicat. Je vais donner mon avis rapidement. Il y a une petite faille dans ce jeu, si vous voulez. C'est que malheureusement, pour comprendre un petit peu Yennefer, il faut que vous ayez lu les bouquins. Alors, moi, j'ai lu les bouquins. Ceux qui ont suivi The Witcher 2 à un certain moment, j'ai dit quand je les ai lus, hein, et quand je les ai terminés, je vous ai donné mon avis aussi, quelque part. Mais c'est vrai que sans les bouquins, Yennefer, vous allez avoir tendance, généralement, à pas comprendre pourquoi elle a tant d'importance. Vous voyez, pourquoi on la cherche à ce point, c'est quoi le bordel avec elle, vous voyez ? Non mais c'est ça le problème, en fait. Et donc c'est vrai que on peut pas avoir une lecture, par exemple la licorne. Vous voyez, là, on a vu le truc de la licorne, vous comprenez pas. Vous voyez, parce qu'on l'a pas vu dans The Witcher 1 et 2. C'est un truc qui n'existe pas pour vous, si vous avez fait que les jeux vidéo. Hein. Donc en fait, il faut avoir lu les bouquins, vous voyez, pour vraiment comprendre. Sinon, c'est mort, hein, c'est mort. Donc c'est peut-être là un petit problème du jeu. Hein. C'est le premier que je pointe. Mais voilà, hein, faut avoir lu les bouquins pour tout comprendre. Parce que le jeu ne va pas particulièrement, il va y avoir plein de clins d'œil quand même, et va pas s'arrêter pour tout vous expliquer non plus. Hein. C'est assez bien écrit, donc il force pas trop, et donc ça comprend aussi des choses négatives que on va pas vous refaire tous les bouquins, voilà, évidemment. On raconte quand même une autre histoire, hein, donc voilà. Ceci étant dit, on est bien, on va faire une petite sauvegarde quand même, hein, parce que, voilà, c'est plutôt pas mal. On va sauvegarder. Ah, parce que c'est en train de sauvegarder, voilà. Donc, sauvegarde ici. Donc évidemment, le cheval qui s'appelle toujours Ablett. Et on va suivre Vesemir, tout simplement. Allez, c'est parti. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang ? Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Il lui a dit qu'il mange aussi les vivants. Oui, ça ne lui a pas plu. Sa belle théorie est tombée à l'eau. La guerre tourne mal pour nous. Nous ? Les royaumes du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire ? La Téméria et Aedir n'existent plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment ? Il faut bien croire en quelque chose, non ? Sinon, à quoi bon ?
Juste alors, petite précision, rappelons quand même, un des choix qu'on a fait dans The Witcher 2, ce fut de tout simplement sauver la fillette. Hein, on n'a pas sauvé Triss, on a sauvé la fillette. Hein, donc pour... je sais pas si ça aura une importance, mais voilà. Donc, qui est un peu la seule héritière, hein, quelque part, de la Temeria, si je me trompe pas. Assez vite, Ablette. On y va ? Il est parti. Oui, vous pouvez sortir. Par les dieux, c'était moi une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante, morceau par morceau. Oh. Vous attendez une récompense, j'imagine. Quelques couronnes ne seraient pas de refus. Quelques couronnes ne seraient pas de refus. C'est que ma bourse est bien vide en ce moment. Les Nilfgaardiens ont réquisitionné mes biens, et avec cette attaque... Tenez. Alors, la piste ? Comme je te disais, elle rejoint la grande route, et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un ? Oui, une femme. Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose ? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur, la seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. Pourquoi pas ? On en profitera pour nettoyer cette blessure. Oh, c'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Bien. Allez, on continue. C'est combien ? C'est 46, on a encore un petit peu de temps ensemble, hein, donc c'est cool. Où est mon cheval ? Il est ici. Allez. Et on va à la taverne de Blanchefleur. Donc ça va être la première zone. Hein. C'est une petite zone, en fait, si vous voulez. Un griffon. C'est plutôt sympa parce que Blanchefleur, c'est un petit peu bac à sable, vous voyez, un petit peu. C'est-à-dire que on fait Blanchefleur, c'est un petit truc, et après, vous aurez des grosses zones, voilà. Donc c'est intéressant. C'est près du village. Étrange. Tu lis dans mes pensées. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas. Mais ici, si près de la grande route... Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, la chair brûlée. Ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. Et à plus d'un homme. Redoublons de prudence à Blanchefleur. Et une fois que nous aurons une piste, ne nous éternisons pas. Wow ! Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire.
Ça, c'est le blason de lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nilfgaard, maintenant. Mon cul, oui. Pas avec ces saloperies de mutants. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les parages. Oui, on a croisé sa route. Une vilaine bête. Vilaine ? Moi, ça ne me fait pas rire. Elle a mis les nains en charpie. La pauvre a déjà un pied dans la tombe. Mais ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous avez de la vodka ? Et vous ? Je vous sers de quoi vous rincer la bouche ? Alors, montrez-moi ce que vous avez. Montrez-moi un peu ce que vous avez derrière le comptoir. Alors, donc déjà, est-ce qu'on a du pognon pour acheter des trucs? Parce que c'est bien gentil tout ça, mais... déjà, les cartes, elles coûtent combien? Ça va encore. Je pense que... Alors, déjà, faut acheter toutes les cartes. Hein, c'est vraiment ça, c'est vraiment très utile. La vodka de Redania, c'est très très utile aussi. C'est comme composant alchimique. Ça, on peut l'acheter direct. Hein, ça, c'est très valable. Mais on n'a pas l'argent pour, hein, au total, ouais. Tant pis. Non, on va se contenter d'acheter les cartes, hein, ça suffira. Full test, voilà. Bon, on va acheter ça, déjà. Bon, alors, on va acheter ça. Le reste, c'est moins important. Les affaires tournent bien. Les affaires tournent bien, on dirait. Tout le pays est en marche. Certains vont rejoindre leur famille, d'autres fuient la guerre. Et tout ce beau monde a besoin d'un endroit pour boire, manger et dormir. En somme, la guerre vous réussit bien. Oui, pour l'instant. Mais j'aimerais autant que la paix revienne. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Il y a un contrat pour le griffon ? Il y a un contrat pour le griffon ? Non, pas pour le moment. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région, les chevins organisaient une collecte ou demandaient de l'aide au seigneur. Mais aujourd'hui, ils n'osent même plus pisser sans demander la permission des escadrons noirs. Et le seigneur est mort, donc pas de contrat. Dommage. On aurait pu vous aider, mais pas gratuitement. Je cherche une femme. Je cherche une femme. Cheveux noirs, les yeux violets, toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et... ça va vous paraître étrange. Mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille. Je ne l'ai pas vue et encore moins sentie, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients. Ça vous coûtera rien d'essayer. Bien. Donc on va demander au client. Ça sera tout. Merci. Ce sera tout. Je t'aide à panser la plaie ? Je t'en prie. Je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Voilà, donc on va sauvegarder. Non mais il sauvegarde déjà, bon, ok. Pareil que les escadrons noirs mesurent les champs. Et alors ? Au moins ils brûlent pas nos récoltes.
Voilà, on va sauvegarder. Oui, donc, alors déjà, bon, pour ceux qui ont fait le jeu déjà, il y avait des trucs un peu étonnants hein, dans le paysage, j'ai envie de vous dire. Hein. On voyait quelqu'un, putain de sa mère, c'est flippant. D'ailleurs, je me rappelais même pas qu'il était là, le gars. Hein. Et en fait, ouais, si, il est là, hein, regardez, il est là. Il est bien là. En fait, vous pensez que ça va être un mec random, ce mec. Vous voyez, c'est un mec qui boit son vin, machin. Mais non, en fait, c'est vraiment... Faut faire très attention. Faut faire très gaffe. Chaque facteur... Quelle perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du Soleil. Vous avez un instant? Oui, pourquoi pas. Alder Geert, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'Académie d'Oxenfurt. Gérald de Rive, sorceleur diplômé. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. La cavalière de la guerre, comment ça? Comment ça, la cavalière de la guerre? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Elle entraîne des armées dans son sillage et ceux qui croisent sa route sont frappés par le malheur. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si quelqu'un l'a vue? Non, je m'intéresse aux faits, pas aux légendes. Que faites-vous ici? Je ne m'attendais pas à trouver un érudit dans cette auberge. Vous fuyez la guerre? Au contraire, je lui cours après. Je voyage vers le front. Vous voulez mourir? Je veux apprendre. Le savoir est plus important que la vie, et les vieux tomes poussiéreux ne peuvent étancher ma soif d'apprendre. Je veux voir l'invasion Nilfgaardienne de mes propres yeux, la comprendre et en rédiger la chronique. Ce sera mon magnum opus. Décrivez la guerre dans toute son horreur. Bonne idée. Allez-y. Et décrivez la guerre dans toute son horreur. Pas de bannières flottant au vent, pas de charges héroïques, mais des viols, du sang et une cruauté sans bornes. Ah, vous n'avez pas l'œil d'un académicien, mon cher. Le viol et la cruauté sont des détails sans importance, de simples ornements sur le grand manteau de la guerre. Allez dire ça aux habitants des maisons brûlées. La guerre a-t-elle atteint Novigrad? La guerre a-t-elle atteint Novigrad? Non, mais ça ne saurait tarder. Nilfgaard sur une rive, la Redania sur l'autre, comme des chiens prêts à se battre pour un os juteux. Un os qui pourrait bien leur rester en travers de la gorge. En effet, à Novigrad, nous n'avons jamais hésité à prendre les armes pour défendre notre liberté. Surtout les érudits, bien sûr. La connaissance est une arme tout aussi efficace que l'épée. Ce sont les architectes de notre académie qui ont conçu nos murailles. Des murailles qu'aucune machine de guerre n'a jamais réussi à briser. Je dois partir. Au revoir. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwent. Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Mais les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. Plus tard, on va le faire plus tard. Merci, j'ai autre chose en tête en ce moment. Dommage. Les villageois ne savent même pas compter jusqu'à 10 et les règles sont pour eux un mystère total. Enfin, si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Voilà, donc là, on a Gunther demeuré. Donc évidemment, les jeux de mots à base de demeuré... On va en faire, mais on va en faire pas trop. Hein, on va essayer de pas trop forcer. Et surtout que le mec est loin d'être un demeuré, ça je peux vous le dire. Et ça va... Lui, c'est un gros client. Hein, c'est un très très gros client. Et on n'en entendra pas parler avant très longtemps. Mais bon, faut quand même teaser un peu ce mec. Parce que sinon, c'est chaud, quoi. Hein. Bref, du coup, on va lui reparler. Je voulais juste sauvegarder, en fait. Hein. Ah, vous revoyez. Jouons, allez. Faisons une partie de votre jeu. Mais d'abord, expliquez-moi les règles. Avec plaisir. Vous allez voir, c'est simple comme bonjour.
Ok. Bon, alors, le Gwent, c'est vraiment un truc de malade. Mais, donc déjà, il faut des cartes suffisamment... Alors ça, c'est notre carte et ça, c'est notre jeu, hein, c'est ça. À droite, c'est notre jeu. Donc, on va essayer de s'en sortir avec des bonnes cartes, quand même. C'est-à-dire pas des 1, mais plutôt des ça. Et est-ce qu'on en a un autre de ça ? Voilà. Sinon, ça, c'est les stries bleus, ça sert à rien s'il n'y en a pas au moins 2. Il y en a, ouais, il y en a quand même... ouais, donc on peut mettre 3, je pense que ça peut être pas mal. Yarpen, non. Le leurre, pourquoi pas. Et on peut commencer la partie. C'est parti. Donc là, on choisit une carte à retirer. Trop de cartes de... Surtout que c'est quoi, moi, que j'ai comme... ça permet d'annuler un effet de météo, hein, je crois, hein, déjà, il me semble bien. Pour les royaumes du Nord. Donc c'est pas la peine d'en avoir trop, on va retirer ça. On a un petit peu des cartes de merde, hein, quand même, mais bon, on va essayer de faire avec. Voilà, donc là, il manque l'un, si vous voulez, à faire plus que lui. Mais en fait, il m'offre une victoire, hein, quelque part. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas trop lui mettre trop de points, quand même. On va mettre quand même cette carte-là pour gagner. Et on gagne. Là, on a déjà un point pour nous. Mais des fois, ça dépend. Hein. Voilà. Le truc, c'est comme nous, notre capacité, c'est on gagne une carte si, je crois bien, on remporte la manche. Bah, c'est à notre avantage. Et ensuite, vous avez, si vous voulez, cette carte-là. Ah ouais, non, c'est de la merde, ça. Ouais. On n'a pas pris le bon. Ouais, je pense qu'il y en avait une autre. Faudrait voir ça. Mais bon, c'est pas grave. Pour ce petit test-là, ça suffira, je pense. Donc on va jouer court, hein, on va jouer avec des petites cartes. Donc en mettant ça, je crois que ça fait tirer deux cartes, ça il me semble bien, faudrait voir. Mais... Voilà. Ah, par contre, c'est pas forcément une bonne option que j'ai faite là. Ouais. Ça c'est pas top. J'ai tiré une carte de merde là un petit peu. Ça va jouer au point là, globalement. Il a déjà 9 points le gars. Ou alors on peut la jouer. On peut lui laisser le point vu qu'il commence à mettre pas mal de cartes. Ou alors attendez, ce qu'on va faire, on va jouer des cartes à la con. Et comme ça on va lui faire cracher des cartes. Hein. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. On va lui faire cracher des cartes pour qu'il grille plein de cartes. On va faire ça, parce que sinon ça va être galère, je pense. Et comme il est obligé de mettre des points, parce que sinon il m'a laissé la partie déjà, là pareil, on va retirer une petite carte, genre la plus utile, celle-ci là par exemple, pour lui faire cracher encore des cartes. Voilà. C'est la meilleure stratégie pour nous. Il y a déjà un écart de 15 points. Voilà, donc là je peux maintenir. Et il a 15 points dans le baba. Sauf que moi, maintenant, j'ai 6 cartes, et ça va être pas mal, j'espère, on verra. C'est le duel final. Ouais. Il a encore des cartes qui valent pas mal, mais il a plus qu'une carte, hein, donc ça devrait quand même être bon, on va voir. Ah oui, ça dédouble la valeur, c'est pas mal, hein. D'accord. Ah merde. Alors ça va pas... Mais peut-être qu'on va y arriver quand même, on va voir. Hein. On a assez de points, peut-être. Voilà, de base, j'ai plus de points que lui, donc c'est bon, on a gagné. En plus, il annule ça, en plus, n'importe quoi. Il annule le seul truc qui pouvait me faire des points. Énorme. Le mec, il sert à rien. Il sait vraiment pas jouer, hein, franchement. Voilà. Je lui mets 28, et il est fini. J'ai gagné. Eh bien, dites donc, vous avez un don pour le Gwent. Si vous passez à Oxenfurt et que vous souhaitez affronter un maître, demandez Stiepan. Ce modeste aubergiste est un véritable génie du Gwent. Je m'en souviendrai. Merci. Bon alors, pour le Gwent, j'explique un petit peu. Je pense qu'on se fera des sessions. Vous voyez ce que je veux dire ? On se fera des sessions. Pourquoi ? Parce que, tout simplement,
C'est un jeu où il faut avoir des, faut quand même avoir des cartes, vous voyez ce que je veux dire, d'avance. Donc il faut affronter plus ou moins déjà au début, il faut avoir des cartes un petit peu, vous voyez, des gens que vous affrontez, genre c'est ce mec-là, les mecs que vous croisez dans les auberges, le tavernier, tous ceux qui jouent au Gwent peuvent vous apporter une carte. Et après, une fois que vous avez joué contre eux, que vous avez gagné cette carte, vous ne pouvez plus regagner, hein, quelque part. Donc c'est un petit peu l'idée. Sinon, donc alors attendez, on va parler un petit peu à eux. Je cherche quelqu'un. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Donc là, on peut utiliser un petit pouvoir. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc ? Parlez. Elle est passée dans le village il y a 2 ou 3 jours. Au grand galop, sans s'arrêter. Même qu'elle a renversé Radobor. Vers où est-elle allée ? Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Hé, les gars ! Le mutant a volé l'esprit de Mishko ! Oui. Et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. Allez, rassis-toi vite, avant que je m'énerve. Voilà, donc eux, ils ont été interrogés. Ça, c'est Vezemir. Là, c'est bon. Là, c'est la meuf. Lui, on l'a interrogé. Et alors, on va devoir parler à Gunther. Là, j'ai vraiment... Là, je suis quand même en PLS, ce mec. C'est un truc de malade. Voilà, donc on va lui parler. On peut le craindre, hein, ce mec, quand même. Je cherche une femme. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sent le lilas et la groseille. Deux schnapps. Pour vous remonter le moral. Alors, très bien, trinquons. Très bien, trinquons. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vu, oui ou non ? Yennefer de Wengerberg ? Je ne vous ai pas donné son nom. Certes, mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien, c'est mon petit talent. Bon, c'est vrai que là, c'est quand même un mec assez talentueux. Comment connaissez-vous Yen ? Comment connaissez-vous Yennefer ? Quelle question ? Par les balades de Maître Jasquier, bien sûr. Le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur. À moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive. Le boucher de Blaviken en personne. Vous savez qui je suis ? Et vous m'avez aussi reconnu d'après les balades de Maître Jasquier, peut-être ? Santé. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous au juste ? Un simple vagabond. Gaunter de Murray, pour vous servir. Vagabond ? C'est une profession maintenant ? J'étais jadis marchand de miroirs. Les bonnes gens m'appelaient Maître Miroir ou l'homme de verre. Ouais, donc là, faut pas l'oublier. Hein. Faut pas l'oublier, c'est un truc de malade, ça. Où est Yennefer ? Avez-vous vu Yennefer ? Oh, pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour ? Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Je comprends. Je ne suis qu'un simple vagabond, après tout. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en au fait. Un éclaireur Nilfgaardien l'a aperçue il y a quelques jours. Où ça ? Elle est entrée au galop, dans le camp, au plus profond de la nuit. Vêtue de noir et de blanc, précédée d'une senteur de lilas et de groseille. Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où ? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Et qui sait ? Un jour, peut-être, vous me rendrez l'appareil. Donc là, c'est un truc de malade quand même. Hein. Le mec a disparu.
sous nos yeux. Enfin, c'est un truc de ouf, hein, quand même. Donc, on va sauvegarder. Et on va, du coup, maintenant, il faut sortir. Hein, on va ressortir, c'est bon. Ou peut-être parler à... Peut-être voir. Est-ce qu'on peut parler à Vesemir avant, peut-être, hein, on va voir. Oui. Qu'y a-t-il, loup blanc? 6 mois déjà que je suis sur la voie. Déjà 6 mois se sont écoulés depuis cette chasse au fielon à Vorune. Tu te rends compte? Oui. Et il n'y avait pas que le fielon. Comment s'appelait-il déjà, ce salaud-là? Dregan? Que la terre lui soit légère. Avant, c'était plus simple. D'un côté les monstres, de l'autre les humains. Désormais, les frontières sont brouillées. Ce n'est pas nouveau. Tu as oublié, c'est tout. Me charrier sur mon âge, toi, alors que tu vas sur tes 100 ans. À plus tard, Vesemir. Ok. Voilà, on en a fini. C'est 1h09. On va juste sortir et clôturer là, hein, je pense. Ça pourrait être pas mal. T'as fini de boire ? Alors fous le camp. On veut pas de toi ici. Reculez. Calmez-vous. Je ne suis pas une menace. Oui, c'est vrai. Tu n'as rien fait de mal. Ce fils de pute nous embrouille l'esprit. Chopez-le! Oh putain, l'enfoiré. Il m'a pris en traître. Il est encore temps de renoncer. Attention, il faut esquiver là. Allez, viens par là, mon petit. Oh, les chevaux qui nous gênent, putain de merde. Bien. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, mesdames et messieurs. La prochaine fois, vous l'aurez compris, hein, la piste de Yennefer remonte au Nilfgaardien. Donc, évidemment que si on va à ce camp Nilfgaardien, eh bien, on pourra peut-être retrouver sa trace. Hein. C'est notre objectif, tout simplement. Donc, on va se faire une grande sauvegarde, eh bien, juste ici, hein, voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 2, si je ne m'abuse, et moi, je vous dis à plus.